Coucou à tous! Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé. Je crois que ça fait plus d'une semaine, voire 10, 15 jours, je sais même plus. Franchement, je sais même plus quand est-ce que ça date, la dernière fois que je vous ai pris. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont... Enfin, beaucoup. Essentiellement, une grande chose qui est en train de se mettre en place, qu'on espère que ça va aller jusqu'au bout. On croise les doigts pour que ça se fasse. Je peux pas vous en dire plus parce que je n'aime pas m'avancer quand il n'y a pas du concret vraiment à la fin. J'aime pas vraiment exposer les projets quand c'est pas concrétisé pour éviter d'être déçue ou pour éviter de revenir en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a? T'as fini, c'est bon? Tu te nettoies le visage accessoirement, mon chéri? Oui. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'avais pas trop parlé, mais que ça demande... voilà, il y a eu un temps de réflexion, enfin qui n'a pas duré très longtemps, mais quand même. Des rendez-vous à faire à droite, à gauche, un dossier à remplir. Et là, on est dans carrément la réaménagement de nos espaces de vie sur notre rez-de-chaussée. Voilà, il y a toute une mise en place qui se fait et on espère que ça va marcher. Donc voilà, en ce moment, c'est je trie, je vide déchetterie, on met en vente. Enfin voilà, ça n'arrête pas. Mais là, aujourd'hui, on va aller souffler pendant 4 jours. On va aller chez mes parents pendant 4 jours au bord de mer. Ça va nous faire beaucoup de bien parce qu'en plus déjà ils ont besoin de nous. Enfin, j'y vais que moi et les enfants parce que monsieur travaille lui. Mais ça va nous faire beaucoup de bien et puis on va aller les aider. Ils ont des petits travaux à faire, à effectuer dans leur jardin. Donc voilà, je vais aller les aider, moi et les enfants, on va aller faire ça pour soulager mon petit papa. Donc voilà, ça va être ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et que oui, en fait, on part que aujourd'hui, mardi. Parce que alors nous déjà on est en vacances que depuis vendredi sur notre zone et donc on part que mardi les rejoindre parce que bah on avait un petit souci de voiture, enfin elle roulait en soi hein. C'était pas comme dire l'autre, c'était pas ça le problème, mais le mécanisme était abîmé à l'intérieur et si on faisait trop de route, genre on aurait pu casser le moteur. Donc bon, on va éviter de se taper un changement de moteur sur une voiture comme la nôtre. Et même n'importe quelle voiture, ça coûte une blinde, donc c'est hors de question. Donc mon super mari m'a fait la mécanique pendant tout le week-end. C'est ça qui est génial d'avoir un mécano à la maison, c'est que il a fait ça sur 2 jours de temps, parce que bah il y avait eu des pièces qui étaient commandées, d'autres qui arrivaient un petit peu, bah, qui arrivaient hier. Donc voilà, fallait effectif, il a pu finir que hier, donc voilà, c'est pour ça qu'on part Là, aujourd'hui. je suis prêt. Là, t'es prêt, c'est bon. Voilà, il y en a un qui est prêt et une qui est pas prête. Mais c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours les enfants qui sont prêts d'abord, les sacs qui sont faits d'abord et nous on passe toujours après. Enfin, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc là j'allais vite fait m'occuper de ma petite dernière panière de linge là. Comme vous pouvez voir, il y a du linge partout, il y a du linge à repasser là. Enfin, c'est la folie, hein. C'est vrai que Ça quand on prend n'est du temps. pas... Non mais j'arrive, chérie. Quand on n'est pas assidu, enfin quand on n'est pas dans son rythme régulier au niveau de l'entretien de la maison, du ménage et compagnie, qu'on est pris par les travaux et une autre... Voilà, quand on est pris ailleurs, je dois dire que chez nous, ça déborde très très vite et ça me déprime... tout autant. Mais je peux pas être sur tous les fronts. Enfin, j'arrête pas de courir depuis les débuts des vacances scolaires. Là, ce week-end, ça n'a pas arrêté dans tous les sens. Faire des allers-retours dans tous les sens. Et donc, je n'ai pas pu être partout. Je vous ferai voir là-haut l'étage aussi, ce que ça donne. Donc voilà, je peux pas avoir la tête partout. Donc, je vais faire ça vite fait avant de partir. Là, au moins mettre ce qui a repassé de côté et puis plier les pulls qui vont être froissés. Puis le reste, je ferai ça à mon retour parce que j'aurai vraiment du temps après. Enfin, on va enchaîner quand même le week-end qui suit notre retour. Enfin, c'est tout un... On devrait être tranquille mi-semaine prochaine. Mais bon, allez. Donc, je m'occupe de ça. Et puis, je vous présente vite fait. Mais alors, vraiment vite fait. Et je pense que je vous en reparlerai à notre retour de vacances quand les espaces seront encore plus aménagés. Oui, voilà, je vais vous présenter vite parce que quand vous dire qu'on a fait les valises ski hier soir à 19h parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir partir jusqu'au dernier moment suite à notre voiture, puis des soucis de famille aussi qui faisaient qu'on ne savait pas si on allait vraiment partir ou pas. Donc voilà, donc on a fait les valises hier soir à 19h. Ça va qu'ils en montent dans les armoires, donc puis en même temps pour 4 jours de temps, j'ai envie de vous dire.
Ça va très vite. Deux trucs, et hop, t'as le sac, et c'est parti. Donc, allez, je m'arrête et je me dépêche parce que sinon on va partir en retard et j'aime bien partir à l'heure. Donc, je vous dis à tout à l'heure. C'est bon, vous êtes prêts? On y va? Allez, chacun regarde, pour ça qu'on y va. Dragons, regarde, parce qu'il y a un filet sur nous qu'on tient. D'accord. Allez, vous avez mettre vos chaussures, s'il vous plaît. J'ai papi et mamie, on va y aller. Ici, j'ai pas besoin de faire rouler. Voilà. Bah, je remonte, maman. Pour oui, vas-y. De 4 jours, mais vu que demain on repart aussitôt que d'être rentré, la machine est déjà en route. Je suis en train de préparer les gâteaux d'anniversaire de Lizzie, puisque demain c'est l'anniversaire de Lizzie et on va fêter ça en famille en Sarthe. Donc bah voilà, donc faut jamais des petits gâteaux. Donc je prépare pour demain et il faut que j'en ai un aussi pour demain soir à notre tour. Donc voilà, et il est 5h. Voilà. Donc là j'allais aller voir les Mimi parce qu'en fait elle m'avait appelé. Mimi. Oui, bien. C'est ton cadeau? Oui. C'est qui t'a offert ça? Mamie, papy. Waouh. Et tu l'as fait toute seule ma chérie? Avec un petit mot rosé et moi. D'accord. Si je serais pas là, là ça aurait été un grand désastre. Ah oui, tu les as aidés? Super. On t'a fait? Non. Ah. Je vous prends dans ma buanderie à l'abri des regards des enfants. Parce que pour synthétiser, en gros, donc aujourd'hui on est rentré de Vendée, on a fêté l'anniversaire de Lizzie, donc notre numéro 5, avec mes parents. Donc elle a été gâtée, c'est ce qu'elle faisait tantôt au niveau du puzzle. Elle a eu d'autres petits cadeaux. Et là, j'allais vous présenter les cadeaux qu'on lui a pris pour son anniversaire. C'est son souhait, elle voulait ça. Alors, en fait, je vais vous présenter comme ça vous comprendrez mieux. Et je vous les présente aujourd'hui et pas demain parce que voilà, demain donc on part dans la famille, on a 2 heures de route, aller-retour. Donc ça va être assez intense, surtout qu'il y aura le super couvre-feu à 18h, donc ça nous laisse vraiment pas beaucoup de marge. Donc je pense que demain les réveils ils vont être mis assez tôt pour qu'on puisse partir très tôt et très tôt chez notre famille. Cette fois-ci c'est du côté de mon mari. Et donc voilà, donc on va aller voir, on va leur rendre visite, enfin on a trop hâte, on est trop pressés. Et puis en même temps, vu que c'est le jour d'anniversaire de Lizzie, bah voilà, on va le fêter avec eux. Et puis au retour, vu qu'on va rentrer bah, pour le couvre-feu à 18h,
J'aurai pas le temps de vous présenter ces cadeaux d'anniversaire. Je sais pas si je vais vlogger, j'ai aucune idée. Parce que j'ai de l'énergie, mais ça se trouve que demain, avec l'enchaînement de tout, je risque d'être complètement raplapla. À voir tout ça. En tout cas, ces 4 jours nous ont fait un bien fou au bord de mer. Avec le soleil, il a fait trop beau. Malgré qu'on a travaillé pour aider mon papa dans son extérieur. Enfin voilà, on a bien bossé, on devait enlever plein de cailloux, enfin plein de choses, voilà. Plein de boulot extérieur qui ont fait que on était bien occupés le matin. On se promenait l'après-midi, mais c'était vraiment bien. Ça a requinqué un peu tout le monde de prendre l'air et de changer de notre rythme, de rechanger de la maison. Surtout que début de semaine, premier week-end des vacances et... la veille de notre départ, je suis dans la réagencement de toutes les... Enfin, pas toutes les pièces. De 3 autres pièces à l'étage. J'ai 3 chambres, en fait, sur la chambre à coucher. Je vous exposerai le sujet un petit peu plus tard. Comme je vous avais déjà dit tantôt. Je veux pas parler trop vite. Donc il y avait des meubles à démonter, des meubles à acheter, des meubles à vendre. Enfin, voilà, mon mari s'est occupé aussi de tout ça pendant cette semaine, pendant mon absence. Moi, je gérais les réponses d'annonces. Et qui fait qu'on est aujourd'hui vendredi, retour de notre séjour et que j'enchaîne les gâteaux d'anniversaire pour être au taquet demain. Et que je vais emballer aussi les cadeaux aujourd'hui, comme ça demain soir quand on va rentrer j'aurai l'esprit tranquille. Et le bruit de fond, je suis vraiment désolée, c'est ma machine, elle est où? Elle est là, voilà. Qui est déjà en route, en fait on n'avait qu'un sac de linge sale à nous 7. Pour 4 jours, mais comment vous dire que voilà, 2 jours de suite on met les mêmes habits, puis ça allait bien largement. Donc il n'y a pas trop de linge, j'étais assez à jour aussi avant de partir, donc voilà. Ça va bien se passer comme ça. Donc je vais vous présenter les petits cadeaux de Miss Lizzie. Et puis en plus c'est un anniversaire, donc quand c'est un anniversaire c'est pas non plus Noël, donc les budgets sont pas extensibles non plus. Donc c'est des cadeaux pour faire plaisir quoi. Donc, Miss Lizzie nous avait demandé des cahiers de la Reine des Neiges pour faire des activités. Parce que bon, le livre de l'histoire, ça on l'a tous, hein. Pardon, donc on a appris. Vu qu'elle travaille les sons et l'écriture à l'école, autant que ça soit utile, mêler l'utile à l'agréable. La Reine des Neiges, mon cahier d'activité avec les lettres. Il y a des autocollants à l'intérieur aussi pour travailler, donc très bien. Et un autre, beaucoup plus pour le dessin et la créativité. La Reine des Neiges, les coloriages. Et il y a des stickers avec. Donc voilà, ça c'est le côté ludique, utile et créatif, tout ce qu'elle est. Et puis elle nous avait demandé une trottinette. Donc voilà, elle aura sa trottinette. Et je suis contente parce qu'en fait j'ai commandé tout ça sur Amazon. Ça rentrait dans mon budget anniversaire qui est d'une moyenne de 30€ par enfant. Pour certains âges, hein, parce que quand je sais le budget qu'on va mettre pour les grands, pour leur anniversaire, ça risque d'être plus intense. Donc voilà, donc elle a rentré dans le budget pour son âge, donc c'est très très bien. Et je l'ai fait livrer chez mes parents vu que j'étais pas là, mon mari était pas là, donc et que demain on n'allait pas pouvoir aller à la poste récupérer tout ça. Donc voilà, j'ai fait livrer ça là-bas, c'est parfait, c'est arrivé. Mini Végonu dans le carton et j'aurais plus qu'à emballer toutes ces petites merveilles. Donc je sais que ça va lui faire plaisir, beaucoup plaisir, parce que c'est ce qu'elle a commandé. Donc c'est bon pour ça. Et puis voilà, je vais retourner là-haut voir où est-ce qu'il en est mon flan, parce qu'on fait flan vanille et flan choco, un truc facile et rapide, parce qu'on va dire qu'il est 17h et j'ai pas envie d'y passer la soirée. Faut que je monte ça quelque part et puis faut que je lui trouve, attendez je vais vous poser, il faut que je lui trouve aussi un goûter d'anniversaire pour demain soir, enfin un gâteau d'anniversaire pour demain soir qui soit autre que ça. Mais elle m'avait dit je crois un gâteau au chocolat, mais mes hommes ils aiment pas le chocolat, donc on va essayer de trouver autre chose, mais vu le temps qu'il nous reste ça va être assez compliqué, donc je vais voir.